Je vous reprends. Alors, j'avoue que je ne sais pas dans quel ordre la vidéo va être montée parce que je fais plusieurs petits rushs. Donc, là, je démarre la vidéo, vous voyez, sur trois petites images et c'est pour faire un clin d'œil à Amandine Young puisque nous retrouvons des pin-ups et que ça sera le sujet de son prochain livre de coloriage. Qui sortira cet été et je pense qu'on aura bientôt des nouvelles sur les précommandes. Donc, comme j'ai ces petites cartes-là qui me servent de marque-page dans mes colos, j'avais envie de démarrer la vidéo là-dessus. Donc, petit clin d'œil à toi, Amandine. Voilà. Donc, passé ce petit clin d'œil, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de produits. J'ai reçu ça. J'ai craqué. J'ai craqué. Alors, en ce moment, il passe beaucoup sur les. Vous allez voir tout de suite quand je vais ouvrir la boîte. Toc. C'est une surprise pour personne. Je l'avais déjà évoqué que. En fait, j'hésitais avec les Hérogitaines et les Chromaflow. Et Morgane a fait la présentation des Chromaflow et aussi Colorfila. Et c'est vrai que Colorfila a tellement, tellement, tellement de gamme de crayons. Tout de suite, je lui ai demandé, mais qu'en penses-tu? J'hésite entre les deux. Parce que mon idée, c'était en fait, comme les Light Fast. Enfin, je viens d'avoir les drawings. Les Life Fast, là, je n'ai pas encore fini la. J'essaie d'en acheter de temps en temps. Je m'étais dit, est-ce que ça pourrait compléter mes Life Fast dans un premier temps? Et elle m'a confirmé qu'effectivement, ceci serait un peu plus passe-partout que les Hérogitaines. Donc, je me suis laissée tenter. Donc, je l'ai ouvert hier. C'est pour ça que vous n'avez pas le unboxing avec tout. J'ai commencé le nuancier que je vais finir en coupant la caméra, puisque je trouve ça trop long quand je vous fais assister au nuancier. Vous vous rappelez, hein, j'ai toujours mon petit livre de nuancier donc, que je fais. Donc, j'ai commencé hier, vous voyez. Les couleurs déjà me plaisent, elles sont très chatoyantes, etc. C'est du papier Amazon, donc je vois tout de suite comment ça va réagir sur des colos Amazon. Et manifestement, ça réagit mieux sur du papier Amazon que les drawings. Et que notamment les brush thinners. Et puis là, les Light Fast sur du papier Amazon, ils ne sont pas top. Il faudrait que j'essaye de faire un nuancier sur un papier un peu plus épais. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos des autres youtubeuses, qui m'étonnent parce que, bon, ça a quand même tourné. Donc, on se retrouve avec des racks. Donc, il y a 72 crayons. 72 teintes, pardon. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si je les mettrai en trousse ou si pour, dans un premier temps, je vais les garder. Est-ce que je me tâte à les mettre en trousse? Avec mes drawings, je pense que je vais avoir de la place pour les mettre avec les drawings. Ouais, je pense. Je ne sais pas combien de place il me reste dans cette trousse. Je regarde vite fait. Ah, mais j'ai mes Lumocolor à la fin aussi. Bon, eux, je pourrais les remettre dans une autre marque. 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alors 10, 20, 30, 40, non, j'aurais pas de place dans celui-ci, donc je sais pas, je vais quand même pas me racheter une trousse pour ça, donc je vais voir ce que je fais, donc pour l'instant, ça va rester en suspens, je ne sais pas du tout, bref, passons, parce que je sais pas pourquoi je vous fais partager cette... ce petit moment. Donc, je vais reprendre le premier pour vous montrer. Alors, hier, j'ai commencé le nuancier et j'étais assez déçue sur quelques crayons. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont déjà les Chromaflow ont eu ce problème. On va prendre ce rack-là. Donc, de mémoire, ça doit être celui-ci. Non, ce n'est pas celui-là. Il y en a un, en fait, la mine. Voilà. La mine, déjà, vous voyez.
bouge déjà. Le Sunflower 110. Donc, ils sont légers, hein, très légers, ils sont une très bonne prise en main. Donc, ils sont noirs avec une écriture or, c'est sympa. La couleur au bout du crayon, qui est quand même potentiellement bien ressemblante à la nuance. Donc, celui-ci à la mine qui. Et j'en avais un autre. Je l'ai trouvé très abîmé quand je l'ai. Donc, vous avez à chaque fois le nom, hein, donc Mangue 310, le nom de la teinte ainsi que. Ainsi qu'un numéro. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Non, je ne pense pas que vous allez voir ça. En fait, il y a des trous. Voilà, celui-là aussi. Il y a des trous comme si ils étaient passés dans un taille-crayon trop petit pour eux, en fait. Alors qu'ils ne sont pas gros. Il y a ça. Il y a des petits défauts. Alors, c'est rigolo. Hier soir, j'en avais un. Il était vraiment très abîmé. Et là, je ne le retrouve pas. Ah mais non, mais non, mais je dis des bêtises, mais je dis n'importe quoi. C'est pas des trous. En fait, ça fait comme des poinçons sur les bijoux. Non mais je suis grave. Bah non, il n'y en a pas partout. Bah non, c'est bien des trous alors. En fait, ils en ont pas tous. Non, c'est pas des poinçons. Et j'en ai un que j'ai pris en main hier soir. Alors, de toute façon, j'ai pas tout fait. Donc, celui-là, il a un trou là. Et voilà, alors c'est celui-là. Le strawberry. Il est archi abîmé. Il a des trous partout. Donc je ne sais pas comment ça se fait. Et il y en a un autre. Il y en a un autre parce que le strawberry, je ne l'avais pas fait. Et c'est un autre que j'ai fait. Donc, je prends un peu de temps pour. Parce que je veux vraiment vous le montrer. Parce qu'il était vraiment extrêmement abîmé. Je me suis dit, mince. Je ne la retrouve pas, je devais être pas dans mon état normal hier soir. Mais attends, c'est un truc de dingue. Il était archi abîmé, mais plus que le. Vous voyez le strawberry? Il y a carrément un gros trou là. Et là. Ouais, il est archi abîmé le strawberry. Et il y en a qui sont abîmés sur le. En fait, sur le. Sur la zone de couleur. Donc je trouve que quand même, pour des crayons de ce prix-là, pas avoir un crayon parfait. Bon, après, on en connaît des beaucoup plus chers, hein, c'est pas la question, mais quand même, hein, vous mettez le prix quand même, 144 euros pour des crayons de 72 teintes, c'est pas non plus un petit budget, faut pas se le, faut pas se le cacher. Et qu'il soit pas parfait. J'avais eu le cas avec mes Prisma, mais bon, les ayant achetés sur AliExpress, j'ai eu un doute que j'avais des vrais ou pas. Donc j'ai rien dit. Mais là, Underwent, normalement, sont censés être au top, quoi. Donc voilà, je suis quand même contente des premières couleurs que j'ai mis sur mon nuancier. Même si, je vous le dis encore une fois, c'est un nuancier de papier Amazon. Mais j'aimerais bien me faire un nuancier sur du papier, mais j'ai la flemme en fait de retracer toutes les cases. Oui, je pourrais les faire sur Excel, vous me direz, mais puis de remettre, repositionner toutes mes couleurs. Dans mes trous, c'est un vrai bazar. Il faut que je re-range toutes mes couleurs. Et franchement, j'ai une flemme. Je préfère passer ce temps-là à colorier. Donc. C'est vraiment une catastrophe. Au niveau achat, j'ai racheté des hybrides dual métalliques parce que mon or et mon argent étaient totalement terminés. Alors, j'avais racheté de l'or en unité, enfin en individuel. Et au final, bah, je me suis aperçue que comme j'avais l'argent qui était aussi bien utilisé, du coup j'ai racheté la gamme complète parce que bah, je les utilise quand même beaucoup et il y en a quelques-uns qui sont déjà voilà, bien utilisés, on va dire. Je crois que j'utilise beaucoup ce mot utilisé, je ne sais pas pourquoi. Ouais, donc comme ça au moins je ne vais pas tomber
Et que celui-ci qui est encore plein en fait, que j'utilise moins. Mais tous les autres, voilà, celui-là, il est là. Donc, j'aime autant vous dire que voilà. Puis à chaque fois, je vous fais passer mon super pilou moche devant l'écran. C'est génial. Mais c'est mon pilou, il est moche. Il est tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'il est agréable à porter. Donc je me suis refait, voilà, un petit stock. Voilà, j'ai quelques achats qui vont arriver normalement aujourd'hui. Quelques achats, un achat essentiellement, je crois. Ouais, un seul, je crois. Donc, je pense que je vous reprendrai. Alors, déjà, je vais vous couper, je vais finir mon nuancier, puis je vous reprendrai après. Et avec un peu de chance, l'acquisition sera arrivée. Donc, je finis mon nuancier, je vous dis ce que j'en pense. Je ne pense pas vous faire un colo avec tout de suite, parce que j'ai des colos en cours que j'ai commencé avec une gamme. Et celle-ci, j'aimerais bien la tester en mélangeant mes Derwent Lightfast et mes Derwent Drawing pour voir si les trois peuvent bien se combiner et faire quelque chose de très bien. Faire un colo avec vraiment des gammes Derwent. Donc, je vous reprends. Je vous dis à tout à l'heure. Et coucou. Et coucou, c'est à nouveau moi. Je reviens vers vous pour vous présenter encore des nouvelles choses. Il va falloir vraiment que ça cesse, ce n'est plus possible. Écoutez, je suis allée à une foire à tout, donc je ne sais pas si ça s'appelle comme ça chez vous. Nous, ça s'appelle des foires à tout. En allant voter dimanche on a fait un petit tour et bizarrement dans la foire à tout il y avait un vendeur d'articles d'art. Alors c'est bien la première fois de ma vie que je vois ça, mais des articles neufs, hein, un truc très bien, hein, j'étais très très étonnée. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté, donc, de l'eau de pastel à l'écu de la marque Sennelier. Alors, ils tâchent beaucoup, par contre, parce que hier, j'ai dû ouvrir l'autre hier. Pour voir à quoi ça ressemblait. Voilà. Donc, en fait, celui-ci, c'est pour faire des paysages d'hiver. J'ai trouvé les teintes vraiment très jolies. Donc, ça, c'est le paysage d'hiver. Et celui-là, si j'arrive à l'ouvrir, ça serait sympa que j'arrive à l'ouvrir. Ah ben voilà, je vais l'ouvrir par le derrière. Hop, hop. Celui-ci, c'est pour faire les ciels orageux. Donc, vous voyez, on est vraiment sur deux teintes. Alors, il y a quelques teintes qui se ressemblent. Est-ce que je peux faire un essai ou pas? Je vais prendre mon petit calepin habituel pour mes essais. Toc. Histoire de voir. Moi, je vais avoir les mains. Il va falloir que je passe de la... Je ne sais pas si vous voyez les teintes. Franchement, ça valait carrément le coup. Je vais prendre une lingette parce que là, je vais avoir utilisé toutes les... Et la dernière, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Hein. Donc celle-là. 6. C'est. Je vais prendre une petite lingette. Parce que là, c'est pas possible.
Donc, par contre, je vais faire les autres. Les couleurs sont belles, hein. Vraiment, elles rendent bien. Les bleus sont vraiment foncés. Les teintes sont pas mal du tout. À mon avis, je vais pouvoir faire des jeux. Le blanc, forcément. Ouais. J'aime beaucoup. Alors. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve que vraiment elles sont assez complémentaires. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, je vais ranger ça. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est une petite palette d'aquarelle. Petite palette d'aquarelle Sennelier, une petite aquarelle de voyage, vous voyez, avec la, c'est pas mal, hein, avec la petite tac. Donc ce sont les couleurs les plus simples, hein, mais franchement j'ai trouvé ça vraiment très... Bon, je peux utiliser le petit pinceau. Moi, je vais utiliser... Les godets sont bien remplis. Les couleurs m'ont l'air d'être chatoyantes. Donc, je les swatcherai plus tard. Hein. Ce sont des couleurs classiques qu'on retrouve dans des palettes. Donc, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment... vraiment sympa. Donc, et c'était la première fois que je... que je voyais ça sur une foire à tout. Donc j'avoue que bon, il y avait mon mari, sinon je pense que je me serais un peu plus lâchée, parce qu'il y avait vraiment de belles choses. Mais bon, vous savez que quand on est avec quelqu'un qui fait pas de coloriage, il a un peu du mal à comprendre pourquoi on achète autant de choses. Donc bon, je me suis retenue. Donc, ça, c'était pour ce que j'ai trouvé sur la foire à tout. Et j'avais commandé quelque chose qui vient d'arriver. Donc, je vais passer les lingettes. Et voilà. Donc, mon premier, je sais pas si je peux vous le... Il rentre pas dans les trous. Comme ça. Non, allez, je vous le mets comme ça. Donc, mon premier mystère. Donc, c'est en espagnol. Je suis pas trop coloriage mystère, mais celui-ci, je l'ai vu sur un TikTok, en fait, tout bêtement. Et j'ai craqué. Alors, bon, pour ceux qui veulent pas les... Comment on appelle ça? Les solutions, bah, vous allez pouvoir avancer jusqu'à la fin, parce que en fait, il commence par les solutions. Donc, c'est une édition espagnole. Qui a été réédité apparemment en 2022, mais qui est issu de 2015. Donc, en fait, ce sont des personnes connues.
Et franchement, ça m'a. En fait, la personne avait fait celui-ci. Et j'ai trouvé ça tellement sympa que du coup, ça m'a donné envie. Alors après, quand est-ce que je vais faire, je sais pas. Parce que je suis pas. J'en ai jamais fait. Alors ça tombe bien, parce que Colorisera Maeva a fait une vidéo sur les coloriages mystères. Donc je pense que je vais. Je vais regarder comment est fait. Alors déjà, ce qui me paraît bien, c'est que derrière, il n'y a pas d'autres mystères. Donc pour l'essayer, je pense que ce serait pas mal. Parce que moi, j'aimerais bien du coup essayer de faire au feutre. Donc je vais voir ce qui est proposé. Et le fait qu'il n'y ait qu'une page à chaque fois, je pense que c'est le genre de livre que je vais essayer de faire page par page en fait. Enfin, page par page, bah oui. Forcément, page par page, n'importe quoi, Virginie. À la suite, en fait, ce qui suit. Donc voilà, un nouveau coloriage. Par contre, il y avait Frida Kahlo, normalement, et je ne l'ai pas vu. Ah si, ok. Elle est là. J'abstine. Non, je suis vraiment contente, en fait. Bon, après, je vais peut-être pas être douée hein, pour le mystère, on verra bien. On va commencer par le premier, puis on verra. Donc, bah écoutez, voilà pour les achats. Encore un petit haul. Il va vraiment falloir que je me calme parce que je ne vais pas réussir à tout faire. Hein. Il va me falloir 3 vies pour réussir à tout finaliser. Donc, bah écoutez, voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que. Oh, je suis désolée. Je vais faire des vidéos d'ASMR si ça continue. J'espère que, bah, que ce petit vlog de différentes journées avec différents achats vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bisous.